c'est l'histoire d'une grève qu'on a recommencée, c'est l'histoire d'une retraite que j'avais espérée, c'est l'histoire du mépris de ce gouvernement, c'est l'histoire de ce jour où nous les militants, tous ensemble et partout, on va leur faire la fête, tous ensemble on pourra leur faire baisser la tête, et ce soir au journal, s'ils n'ont pas cédé, nous on va continuer, oui, oui, ça va changer, nous on va continuer, oui, oui, ça va changer, nous on va continuer. Et pourtant bien des gens sont d'accord avec nous, et pourtant bien des gens ont crié comme des fous pour gagner, pour gagner. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision des mensonges, du mépris et des coups de menton. J'ai pensé, on va se révolter. Oui, 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 ça va changer, nous on va continuer. Oui, oui, ça va changer, ouh, on va continuer. Pendant que ceux d'en haut se font des couilles en or, pour nous cette réforme, ce sera des nouilles encore. Et pourtant, on fait grève aujourd'hui et on recommencera toutes ces choses-là. On ne les accepte pas et voilà. Et voilà, c'est pour ça que je chante, oui, oui, ça va changer, ouh, on va continuer, oui, oui, ça va changer, ouh, on va continuer, quitte à se foutre de nous, ils auraient pu faire mieux, mais l'humour, ils l'ont pas, pour entuber les vieux, c'est sinistre. Et pourquoi nous baiser jusqu'à 67 ans, aller à 69, ce serait quand même plus vendant, mais pas drôle, mais pas drôle. Oui, oui, ça va changer, ouh, on va continuer, oui, oui, ça va changer, ouh, on va continuer.